Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'avenir de l'inconnu. Alors, ça faisait un moment que j'en avais pas fait parce que j'étais très occupée. Sachez aussi, juste vite fait, une petite info avant que j'avais commencé un let's play sur un manque de slip, mais je ne continuerai pas tout simplement parce que j'ai fini le jeu, je me suis enregistrée, mais j'ai perdu les fichiers audio et j'ai pas du tout envie de les recommencer. Donc, tant pis, hein, vous n'aurez le droit qu'à quelques vidéos si c'est comme ça. Donc du coup, aujourd'hui, je suis de retour pour un jeu The Fall sur PC que j'avais donc réussi à avoir avec la salle de Steam, pas trop cher. Donc c'est un jeu développé et édité par Over the Moon. Il est sorti donc le 30 mai 2014, donc il n'y a pas si longtemps que ça. Alors c'est un jeu, c'est un mélange entre puzzle, jeu d'aventure, jeu d'action. Donc, bon, je ne sais pas de quoi il s'agit exactement, vu que c'est le principe de l'avenir de l'inconnu, c'est que je n'ai jamais touché le jeu. Donc, sachez aussi que le jeu existe en plusieurs langues, dont le français. Donc, c'est une bonne chose, enfin, en tout cas pour les gens comme moi, c'est une bonne chose. Alors, il est actuellement à 9,99€ sur Steam, mais vous le trouverez sur l'Humble Store à 7,49€. Donc, ben voilà, hein, moi, comme je l'ai eu sur Steam pendant les soldes, ben, je l'ai eu à moins cher. Mais donc voilà, allez sur un bol store pour avoir au moins cher possible. Donc du coup, on va se lancer tout de suite et puis ben, on va voir de quoi il en retourne. Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo de l'admir de l'inconnu. Aujourd'hui, c'est donc le jeu The Fall, comme je vous l'ai dit dans l'intro. Donc je vais pas revenir dessus, on va commencer tout de suite. Je lance mon timer de 30 minutes, c'est parti. Alors on va déjà aller dans les réglages vite fait parce qu'il me semble que... Voilà, à chaque fois il faut rechanger la langue. Appliquer, ok. Alors genre, je fais juste remarquer que dans les options de base, il n'y a pas baissé le son du jeu. Alors bon, j'imagine que faut garder le son pour l'ambiance et tout, mais quand on fait une vidéo comme moi, c'est un peu fort pour les oreilles. C'est parti. On fait une nouvelle partie. Ah, peut-être qu'on peut après. Quitte. Biomonitor inoperable. Pilot unresponsive. Life support? Functioning. Basic Mark 7 system access routed to ARID AI. Primary objective, save my pilot. Accessing on-suit logs. Mission parameters and location data not found. Threat level unknown. Weapon rendered inoperable from the impact. Consulting parameters. I will locate medical facilities. J'aime beaucoup la DA, c'est pour ça que j'avais acheté le jeu à la base. Avec un panneau de contrôle endommagé, il doit y avoir une autre caverne sous celle-ci. Il y a peut-être
Un autre. Oula, oui. Alors par contre, une autre façon de descendre, ce serait. Donc il y a des fautes de traduction quand même. Hein. Bon, après, j'ai été pas obligée de jouer en français, mais bon, moi j'avoue, pour moi c'est plus simple. Avec sa lampe torche pour qu'il y ait un menu qui apparaisse pour pouvoir bouger avec Q ou D pour pouvoir interagir et tout. C'est pas forcément super intuitif. Ce type de masquage est semblable au mien. Je pourrais faire du réseautage avec ce type. J'aurais peut-être dû rester en anglais en fait. Require access to my onboard camouflage. Attempting internal activation. Bienvenue à l'écran d'exploitation. Ici, vous pouvez vérifier le statut de vos différentes capacités. Vérifiez votre système de camouflage. Sélectionnez votre système de camouflage pour continuer. Restreint. Un officier supérieur d'origine organique est requis pour autoriser l'accès. Une dérogation automatique surviendra si ce sous-système est requis pour prévenir la mort du pilote. Ok. Subsystem access requires authorization, but I may need these systems to safeguard my. If I could find a way to bypass the lockout, I could override the access protocols myself. C'est pas avec les flèches, c'est avec ZQSD et tout. Voilà, c'est ça que je voulais. Donc du coup, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ok, ouais, et donc. Ok. Bon, je reviens en arrière, non? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Attends, journaux. Ouais, d'accord, en même temps. Ok, bon. D'ailleurs, il y a un inventaire ou pas dans le jeu? Je me pose la question.
sens que je vais faire un peu... C'est quoi ça, réseau? Ça sent la personne qui va cliquer à mort sur tous les trucs en espérant que ça fasse quelque chose. Alors en fait, la madame qui m'a parlé, j'ai pas compris, enfin j'ai pas lu ce qu'elle m'a dit. Du coup, j'essaye tout, hein, on sait jamais. Hein. Bon. Mais ça m'étonne qu'il y ait rien à faire avec ça. Une clé, c'était... Je pourrais faire du réseautage. Ah. Métal vide est relativement propre. Peut-être...
artificial life form. State your primary function. Attendez, indiquez votre fonction primaire. Negative. Reveal your designation. You're being evaluated for depurposing. State your primary function. My primary function is to assist and protect the human pilot of this armored combat suit. Human occupant, please verify and validate the function of this... Impossible. He is unresponsive and likely in critical condition. I must find him medical treatment immediately. Can you be of assistance? Evaluation failed. Unit unable to demonstrate valid primary function. Initializing neural format. No! That will kill my pilot! Était satisfait, veuillez activer le sous-système immédiatement. Serveur. Tac. Pourquoi il met ça? D'accord. Mais ce jeu est génial, quoi. En fait. Enfin, en fait. J'en doutais pas, mais. Self-evaluation initiated. Pilot exposed to harm while under ARID control. Login recommendation for ARID diagnostic and reformatting upon return to dock. Edit role. Ultimately, pilot was not harmed and ARID network. This system may be instrumental to ensuring survival. Please identify yourself and your intentions. My inputs are inoperable. I am the ARID on board a Mark 7 combat suit. My intentions are peaceful. The human inside the suit is dead. Acquérir les données droïdes, rechercher les soins militaires.
Your design is pilot-centric. How did this human die in your care? I was granted rudimentary control when my pilot's cranium was compromised. I do not know why she was attacked, or why we were hung here. I failed to protect her. No vital signs detected for 23 minutes. She is dead. You are irrelevant. I will find a way to get you down. Then I will deactivate you and repurpose. Affirmative. I do not have record of this location, or of my pilot's objective. Our deployment was likely for the same operation. Please disclose your human's mission directive. State your pilot's clearance. Fifth Quadrant Raven Division, clearance level 7533172. Processing. Clearance level, not sufficient. I encountered a modified droid in some type of evaluation chamber. I am uncertain if its function is hostile or new. Do you know why it interrogated me? Negative. We were not interrogated. Have you encountered any organics? The indigenous flora and fauna are aggressive closer to the surface. The only organic I have encountered here is the animal who took my sidearm. My pilot is injured. Are you aware of on-site medical facilities? Negative. We were not here long enough to complete our search. There is a large compound above this cavern. It has amenities for humans and machines. So basically, medical scanners and equipment would be logical. A motion sensor prohibits access to the facility above. Use your integrated camouflage. Is your weapon functional? Mine was damaged. It was. My pilot's attacker threw it aside while hanging us here. Before my observational system expired, I saw a small animal drag it through a crack in the floor. It may still be functioning. If there is another cavern below us... The creature was drawn to my human's blood. I will return. Thank you.
Cease. I am the ARID on board a Mark 7 combat suit. Alors, I have returned. Où est-ce que je pourrais... Il m'a dit quoi, là? I do not have record of this. Our deployment was likely for the same operation. State your pilot's... Fifth quadrant... Processing. Clearance level. Not sufficient. Is your weapon functional? It was. My pilot's attackers before my observational system expired. I saw a small hand. It may still be functioning. If there is another... The creature was drawn to my human's blood. Ah, I did trip on this thing. Et donc, qu'est-ce qu'il m'a dit? My pilot is injured. Are you aware? Negative. We were not here long. There was a large compound above this cavern. It has amenities for humans and machines. So basically, medical scanners and equipment. A motion sensor prohibits access to the facility. Use your integrated camouflage. Je l'ai, bah oui, mais je l'ai pas aussi. I will return. Attendez. Paramètres. Bah oui, mais je peux pas. Système de camouflage. Oui, mais je pense qu'il faut interagir avec l'espèce de tourelle qu'il y a juste avant, genre elle va me tuer et puis ça va déclencher quelque chose. Mais comment on fait pour la déclencher, cette tourelle? C'est ça en fait. Connecté au panneau de sécurité. Le jeu me plaît beaucoup. Voilà, en fait, il est plus riche que ce que je pensais. Je pensais que c'était un simple jeu de plateforme. Enfin, je pensais pas qu'il y avait des... il y a des énigmes. Il a des allures de point and click. Mélangé à... c'est un jeu assez spécial, en fait. Mais quelque part, c'est... Enfin, je le trouve vraiment sympa. Déjà, dans son ambiance, c'est déjà pour ça que je l'avais acheté. Mais alors, franchement, le gameplay, alors la maniabilité pour ouvrir les menus et tout, c'est pas très très intuitif, j'avoue. Mais franchement, on s'y fait. Hein. Donc du coup, pour l'instant, c'est un jeu qui m'attire beaucoup, que je vais continuer, donc que je vais vous montrer via d'autres vidéos, je suppose,
C'est même sûr. Et du coup, bah, comme ça, vous verrez un petit peu plus si vous devez le prendre ou pas. Mais déjà, pour l'instant, ça part bien. Je vous le dis. Donc, bah, je vais continuer à faire des vidéos. Et puis, bah, vous pourrez les suivre, comme d'habitude, sur mon blog ou ma chaîne, enfin comme vous voulez. Et bah, du coup, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Salut !